quelqu'un qui a essayé de me mettre de me corrompre avec un thé noir. Mais mon coup de cœur cette année, c'est pas un thé noir, c'est un thé vert. Tu m'étonnes. C'est le... Ouais, mais il est vraiment bon. Quand tu vas goûter, tu vas comprendre. C'est le Weishan Maojian, qui cette année est revenu bio. En fait, c'est un des anciens jardins qui était bio avant, mais ils ont eu de la misère avec la certification parce qu'il y a beaucoup de trucs qui ont changé en Chine. Donc là, cette année, il est redevenu avec le sceau bio. Puis j'ai particulièrement craqué pour le premier grade. Là, habituellement, on achète des grades plus milieu pour le prix, rapport qualité-prix qui est intéressant. Mais cette année, le grade 1 est full texture, très soyeux. T'en as acheté combien de ça? 500 grammes. 500. Donc, ça va se battre pour l'avoir. Ça va pas durer longtemps. Voilà. Toi, c'est quoi? Kaoru Kuen, le retour du Sencha Kaoru Kuen qu'on avait déclassé pendant 2-3 ans pour faire de la place à d'autres petits coquins. Mais cette année, il est un petit peu trop sacoche qu'on va y faire une. C'est le grand retour du Sencha Kaoru Kuen qui a été un des très bons Sencha qu'on a eu. J'approuve. Il est vraiment, vraiment très bon. Oui, ouais, très bon. Certain. C'est son doux retour. Et toi, Jess? Il est quand même très bon, mais si on compare avec mon excellent thé vert chinois, je dirais quand même que le Longqing Jining Bai reste exceptionnel. Sur la coche. Il est quand même bon. Il est quand même très bon. C'est le grand cru du mois, justement, pour le mois de juin. Longqing, on connaît bien le nom, mais c'est pas le Longqing classique. C'est un Longqing fait à Jining, dans le sud du Zhejiang, donc la même province que le Longqing le vrai, mais fait avec un autre cultivar qui est une feuille blanche, puis vraiment sucré, parfumé, texture, c'est exceptionnellement bon, donc vraiment. Wachacha, Sweet. British. Toi, Kevin, tu quel thé vert t'as aimé? Oh, mais en fait, toutes ces toits-là, j'ai beaucoup aimé. Et je les bois beaucoup de celles-là. Le 500 grammes, c'est peut-être moins qu'il était. Oh non, Kevin, c'est mis dedans. Je l'ai trouvé. Ça t'est pas arrivé encore. Oui. Même si j'ai acheté les super Darjeeling cette année, une belle collection, très diverse, beaucoup de toutes les facettes différentes de la région. Mon highlight cette année, c'est de passer du temps dans notre fabrique dans le sud de l'Inde, le Tea Studio. Donc, j'ai choisi une thé de là que j'ai particulièrement fier. On commence bien, on n'a pas fait la production depuis longtemps et déjà les résultats commencent à tellement montrer. Super prix, super thé de petit matin. Ouais. Ça prend un petit nuage du lait si on va dans cette direction-là. Puis tu vas-tu partager une petite tasse? Oui, hein, je partage juste une petite tasse pour ce qu'on peut goûter ça. Et, thank you so much. Voilà, à votre santé pour notre 20e année. 20e année, t'es prête en 2018. Ça se boit bon, bien. Le thé, ça se boit bien.